Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de mon let's play Hearts of Iron 3. Et j'ai pas tardé avant de reprendre l'offensive vers l'Europe continentale. Alors, avant ça, je vais juste faire un petit réglage. Je voulais juste vérifier un truc. Est-ce que j'ai fait mon convoi vers Bombay? Ouais, c'est bon. Donc là, je pense que j'avance un peu. Peut-être... Alors là, normalement, je les ai privés de ravitaillement. Ce que je vais faire, c'est je vais surveiller, voir s'ils s'approchent des différents ports. Je vais commencer à les poursuivre, entre guillemets. Je vais laisser une unité dans le port. Et je vais attendre patiemment qu'ils soient à court, peut-être, de ravitaillement. Je vais juste tester, là. Voir ce que ça donne. Pour l'instant, c'est sans doute pas extraordinaire, il faut bien le dire. Je vais peut-être attendre plutôt. Alors ça c'est la théorie, ça touche à sa fin la théorie, c'est bien, ça va me permettre, bah voilà, comme ça me libère des projets. On s'approche de 40, mais on n'y est pas encore tout à fait, donc je peux encore me concentrer un peu sur les sciences de 40, de 39, pardon. Ouais, ça c'est bon. Là j'ai tout ça à faire. Hein. Je suis vraiment en retard en fait. Consacrer 10 en permanence à la diplomatie, je pense que c'est un peu trop. Du coup j'ai beaucoup de retard. Hein. Ouais. Je sais pas si je vais pouvoir continuer longtemps. Bon, ce qui compte c'est l'industrie par exemple. Bon, ça faudra que je le fasse. Les ressources. Bon, là c'est bon. Là faudrait quand même que je fasse ce qui concerne l'infanterie. Je suis en retard. J'ai vraiment pas assez de recherche. 10. 10 ça fait beaucoup peut-être. Je pourrais sans doute par exemple arrêter d'influencer la Roumanie dans l'immédiat. Ça va me libérer un peu. On verra pour les autres après. Je vais me refaire un petit peu d'officier. Juste le temps de remonter à 140. Là, je vais arrêter. Je vais attendre de pouvoir les prendre sur au moins deux fronts. Alors là, j'ai attaqué comme ça, frontalement, sans aucune préparation. J'espère que je ne vais pas trop le regretter. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de monde... Il y a plus de monde sur place que prévu en fait. Eh ben, il n'y a plus personne, ils ont fui tout simplement. Ok, bon, pourquoi pas. Du coup, Naples, Bari. C'est important que je fasse les convois tout de suite. Cette fois, j'espère que je débarque pour de bon. On verra. J'ai pas fait le deuxième. Portsmouth, Naples. Comment je fais? Je vais tout de suite chercher le reste. Là, je vais débarquer, transporter. Ah putain, pourquoi ils veulent pas y aller? C'est parce que je vais annuler le mouvement. Je vais me redéployer. Là, pareil. Ok, on va mettre tout le monde sur place. Là, c'est bon, c'est défini. Ok. Il faut absolument que j'aille chercher les renforts. Là, il faut que je prenne le port. Je vais prendre le port avec une seule unité et les autres vont aller prendre leur position. J'ai dit qu'il fallait que je tienne cette province-là. Et peut-être, si possible, celle-là. On verra comment les choses se passent. Là, évidemment, je vais reprendre la mer avec... cette flotte-là pour donner le bonus de bombardement côtier, si, au cas où. Et là, je vais aller chercher les renforts. Ok. Le but, c'est vraiment d'isoler cette partie-là et de me réfugier derrière la rivière. J'espère que ça va être tenable. A priori, oui. Moi, je pense que oui, mais bon. Il peut y avoir des surprises.
Ok, donc là c'est parti, je peux attaquer. Ah non, pas tout à fait. Je vais attendre avant d'attaquer. Alors là j'ai quand même un petit problème. Je sais pas pourquoi ce corps-là est pas relié au bon. Ah, c'est parce que j'ai plus d'armée en fait. L'armée elle doit être pleine, ouais. Ah, ça veut dire que tout à l'heure je me suis battu en n'étant pas rattaché. Ça c'est dommage. J'ai perdu un bonus. Toutes les unités de ce corps n'étaient pas rattachées à une. L'organisation n'était pas parfaite, quoi. Donc ça, c'est dommage. Bon, c'est pas grave non plus. Mais c'est un petit bonus. Enfin, un petit bonus, non. C'est même un gros bonus, je pense. Donc c'est vrai que c'est dommage de ne pas le faire quand, quand on a l'occasion de le faire. Voilà. Là, c'est parfait. Et du coup, on va gagner tous les bonus, hein, de ravitaillement, de capacité de combat aussi, les bonus d'empilement, d'organisation. Enfin, tous les bonus de la chaîne de commande, quoi. Donc, c'est vraiment important de les avoir, je pense. Ce qui est bizarre, c'est que celui-là ne gagne pas d'organisation. Je veux dire, de puissance. Pourquoi il gagne pas de puissance? Cette unité bénéficie de renfort si possible, mais j'ai l'impression que, en l'occurrence, elle n'est pas très renforcée là. Ça fait quand même longtemps que je l'ai créée, cette unité, et je sais pas pourquoi elle gagne pas de. Ah là, c'est bon, ça a l'air de marcher. Bizarre, honnêtement. Bon, peu importe. Alors, ici. Honnêtement, j'aimerais bien leur prendre leur dernier port ici, mais je me dis qu'il doit être très fortement gardé. Ce que je pourrais faire, c'est tester, faire une frappe de port vite fait. Non, c'est pas ça que je voulais faire, pardon, c'est une attaque au sol. Voilà, en fait, ça me permettra de voir ce qu'il y a sur place. Ah, c'est prenable, hein. Si j'arrive à m'installer sur ces deux provinces, par exemple. Allez, c'est parti. Le but, c'est vraiment. Ah, j'aime. Pourquoi il y a une unité là? Croiseur lourd. Ce serait pas cette flotte-là. Non, là, il y en a un croiseur lourd. Ah oui, c'est là que j'ai perdu un croiseur lourd. D'accord. Donc c'est plutôt là qu'il faut le faire aller. Oui, j'ai eu une bataille navale, c'est vrai, et j'avais été surpris de perdre une unité comme ça, alors que c'est vrai que depuis le début, j'en ai vraiment pas perdu beaucoup. Du coup, là, ça m'avait un peu surpris. Ok. Là, il faut que je bouge pour les empêcher de passer. On est en montagne, donc si j'arrive à prendre la position, on est parfait. Et je les vois mal m'attaquer là, honnêtement. Enfin, je veux dire, attaquer à travers la rivière. C'est quand même une très bonne position défensive. Donc là, par contre, on va tenter. Ah, mais j'ai pas grand-chose, hein. C'est pas très sérieux de faire ça. Non, je pense qu'il faut quand même que j'attende d'avoir regagné mon organisation. Alors, je vais essayer d'aller là où il y a le plus d'infrastructures. Je vais aller là plutôt. J'espère que j'ai pas débarqué quand même avec des unités trop défoncées, mais non, ça va à peu près. J'avoue que j'étais un peu inquiet. Bon, d'ailleurs, là, il y a eu une bataille, j'ai gagné en deux temps trois mouvements. Je les sens pas très combatifs. On va bombarder ici par exemple. Alors, recherche mécanique. Là, j'ai déjà gagné, ça m'étonne. Mais ça veut rien dire parce que souvent c'est vrai qu'ils abandonnent les combats rapidement, mais d'un autre côté, ça leur permet de repartir plus fort après. Faut pas. Faut pas non plus rêver un peu. Ok, donc là par contre on va attaquer.
pense que ça va le faire. C'est pas dit, hein. J'espère. Là, il y a du monde, hein. Je prends un risque, hein, en m'étalant comme ça. J'ai coulé un navire, c'est bon. Donc là, j'ai quand même intérêt à regagner mon organisation. Ouais, ça monte vite, hein. C'est bon. J'ai bien fait de m'installer là. Je vais avoir besoin, je pense, de mes troupes ici. Je vais les faire venir, même si le corps est pas complet. On va essayer de les utiliser. Bon, comme prévu, les Pays-Bas vont avoir quelques difficultés à résister. Mais l'essentiel étant qu'ils arrivent à monopoliser quelques troupes allemandes pendant quelques mois. Ou quelques semaines, je sais pas, mais... quelques temps, quoi. Alors, ça c'est où ça? Putain, j'ai gagné là, ouais, j'ai gagné, mais à quel prix? Je vais me redéployer ici. Là, j'espère que je vais gagner. Ok, là, mes bombardements ont l'air de pas trop mal fonctionner. En fait, c'est juste de la garnison, donc j'espère que ça va passer. Il a beaucoup, beaucoup de troupes, là. Il a ramené, finalement, il a fini par ramener un paquet d'unités. En fait, le problème, c'est que j'ai attaqué la Sicile, ça l'a attiré, entre guillemets. Et du coup, là, je me demande si c'est raisonnable de continuer dans ce sens-là. Je voulais encercler des troupes, mais elles sont un peu nombreuses, là. Je suis pas sûr de pouvoir encercler tout ça. Il y a des endroits où ça passe bien, d'autres ça passe moins bien. Ok, parfait. Là, j'étais obligé d'en laisser une sur place. 39, hein. Je vais envoyer une unité de plus. Ouais, j'ai quand même bien l'impression que ça va passer. Ouais. Ça a l'air de vouloir passer. Ah, station radar. Alors la station radar, j'avais envie de la mettre vraiment tout au bout, là. Ici, ou tout au bout ici. Alors en fait, je vais peut-être en faire deux. Donc je vais d'abord la mettre ici, je pense à Douvres ou Dover. Ça dépend comment, de quel côté on se place. Et... honnêtement, je sais pas trop... carte météo, carte renseignement... Je sais pas s'il y a une vue du radar, je crois que c'est les avions. Ouais. Ah, il voit que ça le radar. Il est pas centré sur Douvres. Ah, peut-être que. Non, alors, je pense qu'il faut attendre un peu. Je vais attendre un peu parce que. Il est pas fabriqué sans doute. Enfin, il est pas construit ou je sais pas comment. Construit, on va dire. Donc, patience. Ici. Pourquoi j'ai pas de ravitaillement? Peut-être que... Ouais, on se ravitaille de Taranto. C'est un peu le problème. C'est que j'ai pris un deuxième port. Et du coup, ça vient de Taranto maintenant. C'est un peu différent. Ok, là j'ai gagné. Donc celle-là, je vais l'arrêter. Et là, c'est pareil, j'ai pas de ravitaillement. Palerme. Ah, je vais avoir le même problème, on se ravitaille de Palerme maintenant. Et je pense que je me suis mis à Trapani, ouais. C'est le problème, j'ai pris des ports en plusieurs, comment dire, en plusieurs fois, donc à chaque fois que je me suis rajouté un port, j'ai changé de lieu de ravitaillement. Bon, c'est pas grave, c'est un détail. Tripoli, pourquoi j'ai... ça c'est pas trop grave, mais là j'ai un petit problème. À mon avis, j'ai pas cliqué où il fallait. Portsmouth.
pas dû cliquer sur Palerme. Ok. Alors, du coup, est-ce que ça gère quand même? Ah, ils avaient pas de ravitaillement, donc difficile de se battre dans ces conditions. Peut-être faire une pause quand même. Je vais attendre d'avoir récupéré du ravitaillement. Honnêtement, Naples, je pense que ça passe. Ils doivent avoir des gros bonus. Pénalité de traversée de fleuve 63. Bombardement côtier 25. Terrain 62. Je pense que là, je me suis trouvé un point de défense assez intéressant, ma foi. Ok. Et là, il va perdre très vite son organisation. Alors, ce qui m'embête un peu, c'est ici, par contre. Ça se passe pas tout à fait comme je le voudrais. Là, c'est bon. Taranto. Du coup, je vais peut-être arrêter cette attaque. C'est pas la peine de tenter le diable. Balerta. Honnêtement, je connais pas les provinces. Ah, c'est chaud là. Je vais arrêter. Parce que là, contre des blindés, c'est un peu compliqué. Je vais me replier dans l'immédiat. J'essaierai de faire la jonction un peu autrement. Avec eux, peut-être. Ouais, eux, ils ont regagné leur organisation. Il faut que j'intervienne là parce que je me trouve un peu juste. Il y a du monde, hein. Il a ramené énormément de monde. Ouais, il faut que j'intervienne là, absolument. Ouais, je vais ramener du monde. Je vais ramener tout le monde là. Hop. Non, pardon. Je voulais pas faire ça au début, mais en fait, ça reviendra au même. C'est long. Barry. Voilà, c'est bon là. C'est cette attaque-là. Ah, il m'attaque avec avec beaucoup de troupes quand même, hein. Espérons que je le regrette pas. Bon, Barry, je pense qu'il va avoir du mal à passer avec de la garnison. Je trouve ça assez osé d'attaquer d'ailleurs avec de la garnison, mais enfin bon. Taranto, c'est pareil, je pense qu'il a pas mal de malus. Il a une traversée de fleuve. Bon, là c'est gagné. En Inde, vite fait. Je vais essayer de. Normalement, il devrait avoir des gros problèmes de ravitaillement, quoi. Hein, s'il triche pas trop. Mais bon. Comme dit, pénurie d'approvisionnement. Donc c'est bon, ça marche. Il a d'ores et déjà des petits problèmes. Là, c'est pas bon, ça. Pourquoi les troupes... Ah, c'est les troupes japonaises, là. C'est original. J'ai récupéré mon ravitaillement, mais je suis un peu mal barré, là, je trouve. Alors, Naples. Et Naples, je devrais l'avoir à l'usure. Grâce à ma position défensive. Et je vais repartir à l'assaut de ces positions là le plus rapidement possible. Faut que je prenne la position là le long de la rivière. Sinon, ce sera difficilement tenable, je pense. Bon, là ça va, c'est pas trop risqué pour l'instant. Je pense que je vais pouvoir amener un peu de renfort. Les renforts, je vais les amener ici, hein, parce que c'est là que ça va être plus difficile. Ok, là je vais gagner. C'est dur, hein, de battre une unité blindée allemande, hein, c'est costaud, hein. Ça dure, et on se demande quand ça va s'arrêter. Bon, là je vais attaquer. Attaque en soutien. Attaque en soutien.
J'espère que ça va mieux se passer. Ouais, on verra. Ah là, il m'attaque encore, mais honnêtement, je suis... Oui, c'est la même attaque, pardon, je dis des bêtises. Ok, donc là, je l'ai eu. Barry réattaque, sérieux. Taranto aussi. Faut que je me méfie quand même, hein. Bon, Taranto, il y a des renforts qui arrivent, donc je pense que c'est bon. Fuséologie, c'est bon. Là, je commence un peu à fatiguer. Je vais ramener d'autres unités dans la bataille. Il aura beau m'attaquer sur Naples, honnêtement, il s'épuise là. La vitesse où il perd son organisation, c'est à coup de 3 par heure quasiment. Donc bon courage pour y arriver. Ça, je vais bouger là. Donc Naples, il passera pas. Là, je vois, il a tout perdu. Par contre, le problème que j'ai, c'est sur Beneveto, là. Là, c'est moi qui m'épuise, donc je vais m'arrêter dans l'immédiat. J'y arriverai pas, je crois pas. J'aimerais bien trouver... Bon, je vais... Voilà. Et je vais réfléchir à une autre solution. Quand je vois le nombre de troupes qu'il a ramené, là je l'ai vraiment embêté, je crois. Il est vexé là. Barry, ça devrait tenir là. Ouais. Là, ça va pas tenir. Hein. J'espère que les renforts sont pas trop loin. Ouais, c'est bon. Je crois qu'ils arriveront à temps. J'espère. Hein. Les bombardiers, ça va, ils ont pas trop mangé. Là, je devrais tenir. C'est là que ça m'inquiète, en fait. Hein. J'ai qu'une seule unité, hein. Faut pas que... Tiens. Mon unité d'infanterie qui est arrivée un peu trop tard. Je vais la rattacher. Il me semblait que c'était le 8e corps. Ok. Voilà, donc voilà ce qui devrait sauver... Taranto, ça je vais le rattacher à la 3e armée. Ah, elle est trop loin. Merde, ça m'embête ça. Ah, ce que je peux faire, c'est détacher celle-là qui a plus trop de sens. Voilà, eux ils vont se débrouiller tout seuls entre guillemets. Par contre, ce que je vois là, ça me plaît pas du tout. Ça va être compliqué avec seulement 4 unités. Je pense qu'il est à l'arrêt là, il a plus de ravitaillement, donc je peux bouger cette unité. J'irai pas faire des débarquements, j'irai à pied entre guillemets. Donc du coup là je peux rattacher ce corps à la 2e armée, voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Là j'ai envie d'aller en mer pour apporter le bombardement côtier. Et il faudrait que je ramène une autre flotte, mais là je suis un peu gêné. Non, je vais ramener celle-là. Voilà, là j'apporte le bombardement côtier. On a vu le chiffre changer. Ok, et là aussi. Bon, je pense que je vais avoir du mal à tenir ces deux ports dans l'immédiat. J'espère que je vais y arriver, mais... Putain, là il y a un problème, hein. C'est que les troupes, elles sont pas arrivées en renfort. Donc, du coup, j'ai peur de perdre. Je suis obligé de fuir. C'est pas grave. Hein. De toute façon, là, j'en ai deux qui sont au maximum de l'organisation. Donc, ah, par contre, celle-là est en fuite. Ah, putain. Ça, c'est pas bon. Comment je vais faire? Si je sais ce que je vais faire, je vais ramener des renforts. Si j'ai le temps, évidemment. A priori, j'ai le temps. C'est juste... J'ai peut-être besoin de 2 unités, on va dire. Et c'est parti, redéploiement. Donc Barry, je pense que Barry, ça va gérer.
Avec le bombardement côtier, ça. Mais merde, ça le fait pas par contre. Je crois que j'ai dû perdre une unité là, je suis pas sûr, mais. Peut-être pas. Je sais pas. Peut-être pas, hein, ceci dit. Bon, là, j'ai pas mis de leader. Du coup. Est-ce que je peux tenir tout seul sur Barry là? Rien de moins sûr. Ah hein. Oh, si, c'est bon, je pense. Il perd beaucoup. Là, j'ai largement assez d'unités, donc je vais quand même les amener là. Redéploiement. Je vais vérifier que j'ai bien. Voilà, j'ai ma ligne de ravitaillement. J'espère que le port est pas trop petit pour cette province. Ah, par contre, là, je peux plus attaquer, c'est ça le problème, hein. Quand je vois tout ce qu'il a, il est monstrueux là. Je sais pas comment je vais faire. Donc là, je vais me mettre là. Ok, je pense que j'ai amené assez de renforts à Barry pour le calmer à peu près définitivement. Ok, c'est parfait. Maintenant, la question est de savoir si je vais réussir à progresser, quoi. Ça, c'est pas gagné. Alors, celui-là, il manque quoi déjà? Ah, il manque des transporteurs. Et il manque un croiseur léger, ceci dit. J'avais oublié ce détail. Je vais corriger ça et je vais vous laisser là, vous donner rendez-vous demain, évidemment. Ça, j'amène ça là. Alors, j'ai eu chaud là. Honnêtement, j'ai cru un moment perdre une unité. Je crois que c'est pas le cas. Ça s'est joué à peu de choses, à mon avis. Ok, ça c'est bon. Et là, il y a la question de savoir comment je vais faire pour me bouger d'ici. En tout cas, j'ai immobilisé un nombre d'unités assez impressionnant. Si c'est déjà une satisfaction. Alors là, c'est bon. Là, je vais attaquer là. Ok, je vais gagner ces deux batailles assez facilement. Il a plus de ravitaillement, je pense. Non, même pas. Il n'est pas en pénurie, c'est. Non, il n'a pas récupéré de port, donc ça, c'est pas possible. Normalement, c'est pas possible. Il peut ravitailler avec des avions, mais il peut jamais ravitailler avec des avions. Je sais pas, il doit y avoir au moins 10 unités là. Ça, c'est juste impossible en fait. Mais bon, c'est pas grave, on a l'habitude d'un ordinateur qui, comment dire, prend ses aises avec, avec les règles. Ok, un navire de plus de coulée. Je sais pas combien il va leur rester de navires aux Italiens, mais en tout cas, des pertes ils en ont eu. Hein. Ouais, là ça va. Je devrais gagner cette bataille, honnêtement. Ok, Barry, il m'attaque avec une unité. Je lui souhaite bien du courage. Par contre, c'est vrai que j'ai assez peu de chances d'avoir des renforts. Hein. Ça, c'est dommage. Bon, ça devrait le faire quand même quand je vois le nombre d'unités qui entrent dans le combat, là. Je pense que son unité, ça doit être une unité d'élite. Ça devrait le faire. Je vais peut-être rester, attendre de voir, hein, mais non, je crois pas que ça vaut le coup de s'inquiéter. Hein. Ça devrait être bon. Par contre, Syracuse, là, c'est très très bon, ça. Je vais encore lui capturer quelques unités. Rien de très significatif, mais enfin bon, à force de prendre un petit peu à chaque fois, ça commence, je pense, à faire beaucoup. Donc là c'est pareil, hein. Les Italiens normalement je leur ai piqué toutes leurs sources de ravitaillement. Donc en théorie ils devraient avoir du mal à bouger. On verra avec le temps peut-être. Alors maintenant on est ravitaillé par Rangoon, ça a changé. Donc là il faut que je réagisse, Rangoon. J'avoue que dans la liste, je sais pas où ça va être ici. Ok. J'ai créé beaucoup de convois, hein. Faudra que j'en annule, que j'en annule. J'ai du mal à parler, je crois qu'il est temps que j'arrête.
Je vais vous laisser là. Je vous donne rendez-vous sans faute, évidemment, ce soir, je crois, pour la suite ou demain, je sais plus. Vous verrez. Ça dépend quel jour on est, évidemment. Si on est mercredi, c'est ce soir. Si on est jeudi, c'est demain. Voilà. À demain, pour la suite de ce Let's Play.